Bonsoir. Avant de commencer, je vais commencer par remercier le Vatican, Dr Susanna et toutes les personnes qui ont contribué à tenir cette conférence. Et moi, je suis magistrat du Mali. Le Mali est un pays situé en Afrique de l'Ouest avec une étendue de plus d'un million de kilomètres carrés. Dans le cadre de la lutte contre la traite des personnes, le Mali a adopté des instruments juridiques, internationaux aussi bien que nationaux. L'essentiel des conventions juridiques internationales ont été ratifiées par le Mali. Au plan interne, le Mali a adopté la loi sur la lutte contre la traite des personnes et traitement assimilé en 2013. La notion de pratique assimilée est une spécificité à la loi malienne et relève de la volonté du pays de lutter contre le phénomène social spécifique des enfants talibés. Ces enfants talibés sont des enfants confiés par leurs parents à un maître coranique qui est censé leur apprendre le Coran. Mais qui, au lieu d'apprendre aux enfants le Coran, les met dans la rue pour mendier et profite du produit de la mendicité. C'est pourquoi le Mali a ajouté les pratiques assimilées à la lutte contre la traite des personnes. Parce que les enfants sont déplacés. Quand les enfants sont confiés au maître talibé, le maître talibé se déplace avec les enfants dans toutes les grandes villes du Mali, de la capitale Bamako à toutes les villes de province. On retrouve toujours les enfants talibés en train de manier et le produit de la mendicité revient exclusivement au maître coranique. Pour la traite, la lutte contre la traite proprement dite, la traite des enfants qui se manifeste par le transport clandestin de certains enfants maliens pour des travaux forcés dans les plantations agricoles en Côte d'Ivoire. Le Mali, pour contrer ce phénomène, a exigé la détention de l'autorisation de sortie pour les enfants voyageant sans l'un des deux parents. Aussi, en matière d'adoption, une enquête aussi bien sociale qu'une enquête du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant précède la décision judiciaire d'adoption. Les poursuites en matière de traite ne sont encore pas nombreuses au Mali. Mais l'affaire des deux Maliennes, jeune fille malienne contactée par un Malien à Bamako avec un contrat de travail au Liban. Les filles acceptèrent le contrat et se rendèrent à Beyrouth. À leur arrivée, elles furent accueillies par un Libanais qui les placèrent chacune dans une famille libanaise comme personnel de maison et leur confisqua leur passeport afin de garantir le paiement des frais qu'il a déboursés pour leur voyage. Et les filles n'apprenaient qu'il y avait eu quelqu'un d'autre qui avait financé leur voyage quand leur arrivée à Beyrouth et après les déclarations de ces trafiquants. Alors elles furent placées dans les différentes familles d'accueil où elles subirent toutes sortes de traitements. Elles étaient les premières à se lever, les dernières à se coucher, avec un temps de sommeil très réduit. Une d'entre elles arrivait à contacter l'ambassade du Mali à Beyrouth, qui les rapatriait au Mali. À leur arrivée, elles portèrent plainte et une procédure fut ouverte. L'auteur malien fut arrêté. Mais les personnes liées à ce réseau résidant au Liban
n'ont pas pu être atteintes par la justice malienne. Cette affaire illustre le problème de la coopération judiciaire et de la nécessité pour les États d'identifier et d'offrir des canaux plus simplifiés d'extradition des personnes et, je m'excuse, des auteurs présumés d'infractions relatives à la traite des personnes, mais aussi de la protection des victimes et des témoins. L'État du Mali, à travers les maisons de la femme, qui sont des structures d'accueil des femmes victimes de violences. Les femmes qui sont victimes de violences sont accueillies dans ces structures aux frais de l'État. Aussi, les Nations Unies, à travers l'AMINUSMA, la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, l'OIM, et les organisations de la société civile veillent à faire que les victimes et les témoins soient protégés. Dans le cadre d'une affaire qui n'est pas celle de la traite des Noirs, mais de la traite des personnes, bien qu'il peut inspirer la traite des personnes, et la violation massive des droits de l'homme, notamment les viols massifs dont les femmes ont été victimes au nord du Mali. Dans le traitement de cette affaire, l'Organisation de défense des droits de l'homme, l'AMDH, a eu à faire des voyages bien organisés et à camoufler les victimes de ces violences-là pour pouvoir les amener au tribunal et les entendre. Leur audition a été organisée de telle sorte que personne ne puisse les identifier. Et je pense qu'on peut s'en inspirer pour le cas des traites des personnes. Et je vous remercie.